Bonjour à tous. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir nos amis de l'Académie à la maison du Perche pour une journée sur le cheval percheron que nous avons organisée avec notre section élevage pour faire suite un peu à la journée que nous avions eue sur le cheval à l'Académie d'agriculture. Alors, on a une quinzaine de participants, ce qui est bien, avec des gens très motivés par le cheval. Et nous aurons ce matin quelques interventions en salle, avec notamment le président de la société hippique percheronne, M. Dugas, qui nous parlera de l'âge d'or du percheron, et puis l'utilisation du cheval de trait avec le centre de valorisation du haras du pin. Puis ensuite, les chevaux que nous allons découvrir, d'ailleurs on les a déjà découverts en arrivant dans le parc, dans deux élevages, dont un très grand qui s'est spécialisé dans la production du lait de jument percheron. Voilà, donc nous souhaitons une bonne journée. Le temps est frais, pas ensoleillé, mais on va passer, je pense, une bonne journée. On souhaitait que chaque membre de l'Académie puisse se présenter sans faire un discours trop long, dire votre nom et puis ce que vous êtes. Pourquoi vous vous intéressez à cette journée sur le cheval, vos fonctions peut-être Voilà, donc Emmanuel. Alors Emmanuel Rossier, je suis donc membre de l'Académie depuis quelques années, et j'ai été directeur général adjoint des haras nationaux et de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et notamment, j'ai été longtemps, une dizaine d'années, au haras du pin, où j'ai vu beaucoup de percherons. Je me suis beaucoup intéressé en fait à la sélection, la préservation de toutes les races de trait en France. Voilà. Claude Allot, carrière élevage, sauf le cheval pratiquement. Hein. Ces dernières fonctions, j'étais directeur de l'Institut d'élevage. Alors, c'est intéressé quand même un peu au cheval, en liaison avec l'Institut du cheval. Guillemette Descourtis, agricultrice sur le plateau de Saclay, entre Saclay et Jouy-en-Josas. Avec un élevage laitier. Et je vais ici découvrir le nom de l'expression. Eric Palmer, j'étais chercheur sur la reproduction du cheval. Dans toute ma carrière, je me suis occupé de cheval. Constant Lecoeur, je suis secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture. Mais dans ma carrière, je ne me suis pas beaucoup occupé du cheval, sauf à Chantilly. Parce que j'étais DDA de l'Oise et donc on avait le trot, le galop. Galop. Le galop, oui. J'ai la cravate du galop là. Et aussi, c'est un peu paratabiste parce que mon grand-père venait acheter des chevaux dans le Perche pour les entraîner pour faire les chevaux coursiers de Paris. Perche et Boulonnais. Pierre Del Porto, donc Académie d'agriculture, et j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait toute ma carrière sur les problèmes de communication en élevage et exportation en élevage, et donc j'ai pas mal travaillé avec la société hippique sur les problèmes d'exportation au Japon, Amérique du Nord, Brésil, et le fameux congrès qui avait eu lieu au Pin en 2011. Celui d'avant. Je suis passionné de chevaux. Notamment, je suis président également de la Fédération des musées d'agriculture, donc pas mal de chevaux dans les musées, etc. Traction animale. Pierre, derrière notre académicien qui nous vient du Sud. Oui, Guillaume Brouillet, donc je suis secrétaire de la section 5, interaction milieu-être vivant. Donc, alors j'ai travaillé dans la CRO, sur le foin de CRO, et sur le placement des sols, forestiers ou autres. Et je suis aussi là en tant que cavalier, donc passionné par les chevaux. Notre secrétaire de section. Michel Rieux, je suis secrétaire de la section élevage depuis cette année à l'Académie d'agriculture. J'ai trouvé une carrière essentiellement dans l'économie de l'élevage des filières animales, en particulier le cochon, donc un peu de rapport avec le cheval, mais je pense que le cheval est un objet d'avenir. C'est pour ça que je m'intéresse. Monsieur Landouard, spécialiste de la génétique cheval. Alors, voilà. Et percheron également. Et percheron. Et donc, aussi
je peux dire, animateur du groupe cheval de la Société des Tonneaux et Techniques et ancien directeur de recherche à l'INRA. Voilà. Donc, Michel Duclos, membre de l'Académie, section 3 élevage, et je suis encore en activité à INRAE, mais je ne m'intéresse pas du tout au cheval, mais à d'autres productions animales, en l'occurrence les volailles. Je suis vétérinaire et j'ai un intérêt personnel pour les chevaux, j'ai toujours eu des chevaux, je m'en occupe tout le temps, donc ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Madame. Alors, Bernadette Jean-Roy, je suis éleveuse de bonnet du Forest. Alain Jean-Roy, en donc, Alain Jean-Roy, mari de Bernadette Jean-Roy, donc un peu éleveur quand même, on occupe ensemble. Membre de la section 9 de l'Académie, président donc, de la 4AF, l'association donc, des amis de l'Académie d'agriculture. Et d'autre part, pendant ma carrière, je suis occupé de nourrir l'élevage avec la pulpe de betterave. Voilà. Possesseur de percherons et puis rédacteur de temps en temps d'articles pour la revue Sabot qui n'existe plus malheureusement depuis un an. Donc monsieur qui nous accueillait pour le parc. Voilà, monsieur Ville et le parc. Mesdames, messieurs les membres de l'Académie de France d'agriculture, bienvenue au parc. Aujourd'hui j'excuse Annie Coudot, la présidente du parc, et Thierry Liger qui est président de la commission agriculture et développement. Ils peuvent être là et à titre d'élu, je vous accueille. Vous allez avoir ce matin de multiples intervenants sur le cheval percheron, sur le lien notamment entre le parc qui vous accueille aujourd'hui et le cheval percheron. Vous êtes ici dans le berceau de la race percheronne, le perche à la fois, mais la vallée de Vigne tout près. Et puis le parc a choisi comme logo, comme vous pouvez le voir, le cheval percheron. C'est l'emblème du parc. Ce cheval participe à l'attractivité du parc, tant attractivité touristique, bien évidemment, puisque les touristes cherchent à voir des chevaux percherons. Ils réclament toujours plus de visibilité pour ce cheval. Et donc, on travaille aussi en termes de communication et de circuit pour pouvoir voir ces chevaux dans les élevages. Sera évoqué le cheval au travail, probablement, avec Jean Léo. Ce cheval qui permettrait. Hélène. Est-ce que je pourrais pas faire l'histoire du percheron aujourd'hui? Vous allez vous partager. Bien évidemment, ce cheval est un atout pour le développement durable. Le développement durable, c'est quelque chose de très très fort pour les parcs naturels, mais bien évidemment pour celui du perche. Vous découvrirez aussi un partenariat de longue haleine entre le parc et les acteurs de la filière du cheval percheron, que ce soit la Société hippique percheronne de France, représentée par Lionel, mais aussi les syndicats départementaux, comme celui de l'Orne ou du 28-41, Rénoir et puis le Loir-et-Cher. Bien évidemment, il s'agit aussi de faire la promotion du cheval percheron. Avec la SHP, avec les fêtes, comme la fête du cheval percheron le 15 août, avec les fêtes ici, avec la présence de chevaux sur le parc que vous avez juste derrière, avec les ouvertures d'élevage aussi. Dans le programme qu'on vous a remis, vous avez en page centrale quels sont les élevages qui sont visibles. Est-ce qu'on peut aller voir ces chevaux, entendre les éleveurs en parler. Et puis peut-être un futur congrès mondial la SHP travaille, réfléchit en tout cas, c'est quelque chose d'important. Il y en a déjà eu, comme tu disais Catherine, 2001 et 2011. Le parc est partenaire des acteurs avec la filière sur plusieurs réalisations également. Il faut noter le schéma de développement de la filière cheval percheron 2011-2021 et puis surtout l'appui fort de la création du centre de valorisation du cheval percheron en 2016, dont tu nous parleras. Voilà. Donc, re-bienvenue au parc. La journée va être assez dense avec les visites des places cet après-midi. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Mettre en perspective quelques exemples du rôle un peu technique du parc concernant le cheval percheron. Alors, je suis
suis Denis Guimain, le directeur du parc. D'abord, je dirais le déploiement d'une ingénierie de projet, notamment tournée vers la recherche de financement et l'appui pour la candidature à des appels à projets. Une des chevilles ouvrières est ici présente, Camille Henry, qui est agent au parc, responsable du pôle valorisation des ressources, alimentation et agriculture, que je salue. Plus de 80 000 euros d'aide publique ont été mobilisés pour un poste sur l'utilisation au profit de la société hippique Percheron, sans oublier, bien entendu, et M. Ménil l'a évoqué, le volet innovation et expérimentation propre aux parcs naturels régionaux. Il en existe 58 en France, qui s'est ici même dans le Perche, notamment traduit par la mise en place d'épreuves de caractérisation de jeunes chevaux organisées ici même à la maison du parc en partenariat avec l'INRAE, c'est monsieur vétérinaire qui était qui est encore à l'INRAE et repris depuis par la SFET pour toutes les races de trait. Le soutien à la filière et à son développement économique, d'une part à travers le schéma de développement de la filière cheval percheron dont a parlé également M. Ménil, et bien sûr l'appui du parc à la mise en œuvre d'actions du schéma avec notamment la participation à la création du centre de valorisation du cheval percheron avec la SHP, avec l'IFCE bien entendu, et puis le HARA du Pin. Sans oublier le volet promotion, le volet valorisation, le volet communication avec la publication d'un certain nombre de documents, mais aussi l'attribution à des prestataires touristiques de la marque Valeur Parc, notamment à des visites d'élevage ou encore à des balades attelées, puisque la marque Parc est propriété du ministère de la transition écologique qui en délègue l'utilisation aux 58 parcs de France. Donc voilà, nous avons marqué un certain nombre de prestataires touristiques dans le domaine du cheval percheron. Et bien sûr, M. Ménil le rappelait également, sur le site de la Maison du Parc, avec la présence de chevaux, grâce à des partenariats avec des éleveurs. Nous possédons effectivement une carrière qui est mise à disposition pour la présentation et la vente de chevaux, et c'est ainsi qu'en 2013, une présentation de chevaux a été faite à la garde républicaine avant que deux d'entre eux ne rejoignent les Champs-Élysées pour rejoindre les timbaliers lors du défilé du 14 juillet. Par ailleurs aussi, des balades attelées sont proposées tout au long de l'été sur les sentiers de la Maison du Parc, de l'ensemble du domaine, et puis la Maison du Parc, qui est le deuxième site de visite le plus fréquenté dans l'Orne après le HARA du Pin, accueille régulièrement des manifestations, concours d'élevage, modèles et allures, épreuves d'utilisation montée ou attelée, voire des colloques, comme celui qui s'est tenu sur le cheval au travail. On était en 2013-2014, avec des démonstrations à l'appui. Et puis, pour couronner le tout, eh bien, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir votre illustre académie. Soyez-en à nouveau remerciés et bienvenue dans le Perche et à la Maison du Parc. Merci. Bienvenue dans le Perche, puisque c'est le berceau de notre cheval percheron. Le cheval percheron est une race assez
ancienne, qui date de le Facebook de 1883. Nous sommes encore à aujourd'hui la seule race à tenir le livre des origines, puisque c'est comme ça qu'il faut le noter maintenant. Avant, on disait Studebook, pour les anciens, ça parlait certainement plus, mais voilà. Donc, le cheval percheron a cette ambiguïté qu'il appartient à une région qui n'existe pas administrativement. Cette région, c'est le Perche, et qui est à cheval sur trois régions, la Normandie, les Pays de Loire et le Centre-Val de Loire. Ce n'est pas une position confortable, mais le cheval percheron passe toujours au-dessus des obstacles, et celui-ci n'en est pas un pour nous. C'est un cheval qui est mondialement connu. Il est présent sur chaque continent, avec plus ou moins d'effectifs, mais les choses semblent se rééquilibrer avec des continents, peut-être que le continent asiatique qui était fort peu pourvu à part le Japon, mais qui tend à rattraper son retard. De plus en plus de pays sous l'influence de la SHP commencent à créer leur propre studbook, parce qu'il y avait des Américains, des Canadiens, des Anglais, mais maintenant, j'en passe, hein, mais on a eu le Brésil. Cette année, on a eu le plaisir de voir que les Argentins ont eux aussi créé leur studbook, là aussi, avec l'intervention d'un membre de la SHP, Jean-Jacques Léon, qui s'est déplacé à plusieurs reprises. Et il est en phase également de conclure avec la Colombie, je crois, qui a déjà importé des chevaux. On est aussi, au niveau de l'Europe, en train de mettre en place ces studbooks en Allemagne, mais c'est plus difficile parce qu'avec leur lande, on a toujours du mal. Il n'y a pas de pouvoir central. Chaque lande décide de son intégration. Mais la Hongrie et la Roumanie, qui sont à aujourd'hui les forts importateurs de chevaux percherons, là aussi, par l'attrait de notre cheval, sont en train de vouloir créer ces studbooks. Je pense qu'on va y arriver assez rapidement avec la Roumanie, puisqu'on a un éleveur qui est assez bien passé au niveau du ministère de l'Agriculture et qui va nous aider à réguler ce marché un petit peu en désordre aujourd'hui. Je vais juste compléter un peu ce que vous a présenté M. Blanchet. Donc, petite présentation de ce qu'est la Société Hippique Percheronne de France. C'est une association donc, loi 1901, agréée par le ministère de l'Agriculture, fondée en 1883, qui rassemble des éleveurs, des utilisateurs et des passionnés du cheval percheron. C'est une association présidée depuis, je crois, 2013, par Lionel Blanchet depuis 2013, avant c'était M. François Chouanard. Elle est administrée par 25 personnes qui sont réparties sur 9 régions. Nous avons aussi Victor Lénine qui est administrateur pour la région de Normandie. On compte 450 adhérents environ à l'échelle nationale. Les missions de la Société Hippique Percheronne, c'est d'orienter et d'organiser la sélection, la diffusion, la commercialisation et l'utilisation du cheval percheron, de tenir le livre généalogique de la race par délégation ministérielle en liaison et avec l'appui du service de l'Institut français du cheval et de l'équitation, et en particulier du système d'identification répertoriant les équidés qu'on appelle le CIA. D'assurer le développement et la promotion de la race percheronne tant en France qu'à l'étranger, de représenter les adhérents auprès des pouvoirs publics et de tous les organismes publics ou privés, d'organiser le championnat de France percheron qui a lieu tous les derniers week-ends du mois de septembre au Haras du Pin, le congrès mondial qui se déroule environ tous les 10 ans, ou toute autre manifestation visant à promouvoir le cheval percheron. Alors, un petit graphique pour voir la répartition des adhérents de l'association par région. Voici, vous voyez bien. Donc, on a une majorité de nos adhérents qui viennent des Pays de la Loire.
suivie de la Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes, région centre ensuite, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté et autres régions. Et on a également des adhérents qui viennent de l'étranger, de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Italie et de l'Espagne. Alors, au niveau des quelques chiffres sur les naissances, au niveau des chevaux percherons, on a les chiffres 2022. Ce sont des données du CIR, de l'IFCE. Nous avons comptabilisé 903 naissances en 2022. On est à peu près stable sur les 3-4 dernières années. Et depuis 10 ans, on a perdu à peu près 100 naissances. Évolution du nombre de juments saillies en 2022, on est à 1469 juments saillies, donc c'est en race pure. Alors, le cheval percheron, comme le disait M. Blanchet, il vient du Perche. Il fait partie des 9 races de chevaux de trait français. C'est la plus mondialement connue. On trouve des percherons sur tous les continents. Alors, dans les principales caractéristiques, c'est un cheval puissant et vigoureux. Il est expressif et distingué. Sa couleur de robe, c'est noire ou grise, dans toutes ses nuances. Il a un tissu sec et fin. Son poids peut aller jusqu'à plus d'une tonne. Sa taille, entre 1,55 m et 1,85 m. Et c'est un cheval d'un emploi facile et d'un tempérament généreux. On a donc deux types de chevaux percherons, le type trait, qui est idéal pour la traction, les travaux agricoles, le débardage, les travaux urbains, le transport de personnes. Sa taille est entre 1,55 m et 1,75 m. Il a une arrière-main musculeuse capable de tirer de lourdes charges au pas. Ensuite, le type diligencier, il est idéal pour tout ce qui est pratique de l'attelage et de l'équitation en loisir ou en compétition. Il est plus grand, plus léger, plus fin dans son ossature. Il est aussi plus cylindrique et moins descendu dans son flanc. Voilà pour ma présentation. Donc la société du Percheron se situe à Le Mans-Bretroux et vous avez ici le site internet qui vous permet d'en savoir plus sur ce qu'on fait sur le Percheron, sur la SFP. Voilà. Merci. Donc, on va donner la parole à Hélène. On a Hélène qui est du centre de valorisation. C'est ça. Qui se situe au Haras du Pin. C'est ça. Je vais C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de centre de valorisation des équidés normands ou du Haras national du Pin et non plus de centre de valorisation du Percheron comme initialement la rançon de la Loire. Donc le centre de valorisation a repris aussi certaines des missions de représentation qui étaient autrefois effectuées par les haras nationaux, avec notamment les célèbres vestes rouges, qui étaient l'emblème des agents des haras nationaux. Maintenant, on peut les voir de manière un peu, comment dire, emblématique, notamment lors des Jeudis du Pin, pour des représentations touristiques. Principalement, c'est ça. Mais avant toute chose, le centre de valorisation, c'est un centre qui est destiné donc, à valoriser des chevaux de trait, des races patrimoniales du terroir normand. Donc, on a donc, des percherons, on a aussi des coms normands, que vous voyez sur la gauche de l'image, donc, qui est une race un peu, enfin, nettement moins connue que le percheron, mais qui présente aussi, enfin, qui a aussi de nombreux atouts. Donc, ce centre, notre centre ouvre donc un débouché pour les éleveurs. Donc, en termes de modèle économique, il fonctionne de la manière suivante. On achète des chevaux de 2 ans, des mâles. En fait, au départ, l'idée, c'était de trouver un débouché pour les mâles qui n'allaient pas devenir des reproducteurs, qu'on allait castrer et qu'on, du coup, on pouvait destiner au travail. Donc nous, on achète les chevaux à 2 ans, on les travaille pendant 1 an à peu près, et ensuite ils sont revendus à des professionnels. Donc ils sont préparés à l'attelage et à l'équitation montée.
Ils sont aussi préparés au débardage, à la viticulture, à l'agriculture, en fonction des besoins et puis des types de chevaux. Des chevaux type trait, on va plutôt les orienter sur du travail agricole, et des chevaux plus légers, on va plutôt les privilégier pour de l'équitation ou de l'attelage de loisirs ou de sport. Donc, le fonctionnement du centre en termes de RH, donc moi je suis coordinatrice pour trait Anne de Normandie, mais les agents qui travaillent les chevaux sont embauchés par les départements de l'Orne, qui gèrent désormais le site du Haras du Pin. Donc le centre de valorisation est créé en 2017, si je ne m'abuse. 2016, 2017. Je crois qu'il y a un embryon 2016, et puis 2017, il y a un vrai lancement. Donc il y a plusieurs modèles qui ont été imaginés, et puis finalement pour aboutir au modèle d'aujourd'hui. Donc en 2017, la création du centre. Un an après, on ouvre au COB Normand. Et en 2021, il y a eu aussi un élargissement aux races asines, avec les ânes normands et les ânes du Cotentin, qui sont désormais aussi représentés au centre de valorisation et au Haras du Pin. Donc là, on parle de races à tout petits effectifs. On est proche de l'extinction. Et le rôle du centre de valorisation, c'est de préserver des mâles entiers, parce que les ânes mâles entiers ont la réputation d'être très difficile à manipuler. De ce fait, les éleveurs les castrent très tôt, et donc on perdait de la génétique du fait de ces castrations précoces. Donc le centre de valorisation conserve les mâles entiers jusqu'à l'âge de 3 ans, et les associations de races choisiront ensuite les reproducteurs qui leur semblent le plus correspondent le plus au modèle. Les autres seront castrés et on va les travailler pour ensuite les destiner, toujours pareil, au travail ou au loisir, en fonction des besoins de nos acheteurs. Donc les prix d'achat en moyenne pour un cheval aujourd'hui au centre de valorisation, nous on les achète entre 2000 et 4000 euros et on les revend 7500 euros pour un cheval monté et 8000 euros pour un cheval monté et attelé. Donc les prix sont fixés avec les éleveurs de chevaux pour correspondre, pour qu'eux puissent s'y retrouver et avoir les ressources suffisantes pour pouvoir continuer leur pratique de l'élevage. Pour les ânes sont vendus, donc on les achète 800 euros à peu près à 6 mois et on les revend 2500 euros. Les chevaux, vous les achetez à quel âge? En fait, on les achète, initialement on les achetait à 2 ans pour les revendre à 3 ans. Maintenant, on a étendu, on achète aussi des chevaux plus jeunes. Des chevaux, on les achète à partir de 1 an. Combien de têtes par an? Par an, on est 10 chevaux de 2 ans. Ça, c'est les objectifs. Hein. On a des objectifs d'achat de 10 chevaux de 2 ans, donc 10 percherons, 10 comme normands, et 7 chevaux de 1 an, percherons comme normands. Sachant que les chevaux de 1 an, c'est la première année qu'on lance ça. On est vraiment en phase de test et d'essai. Vous achetez des mâles Oui. Plutôt des mâles et oui. Des ombres. Oui, bah alors à un an, ils ne sont pas encore castrés, mais pour les deux ans, oui, on achète principalement des ombres. Et puis alors là, ça dépend, parce qu'entre le perchon et le cob normand, ce n'est pas exactement la même politique. Je crois que le perchon n'est pas totalement fermé à ce que le centre de valorisation accueille des femelles, mais sur les cob normands, c'est totalement proscrit. La politique du syndicat de cob normand, c'est vraiment pas de femelles au centre de valorisation. Les femelles sont destinées à la reproduction. Après, on n'est pas non plus sur les mêmes problématiques en termes d'effectifs et de naissance. Entre le percheron et le com normand. Sur le com normand, il y a encore la volonté de maintenir, d'augmenter la production de chevaux com normand. Ils sont finis à 3 ans ? À 2 ans ? Ils sont finis. En croissance. Ah, en croissance, non, en croissance, ils vont finir à 5 ans. À 3 ans, ils sont déjà pas mal, ils sont déjà assez proches de leur taille adulte, mais ils grandissent jusqu'à 5 ans. Mais nous, quand on les vend à 3 ans, alors effectivement, ça reste de très jeunes chevaux auxquels on ne peut pas demander des efforts hyper conséquents. Ça reste des jeunes chevaux qu'il faut finir de travailler. Alors, dans le percheron, nous, on a beaucoup quand même, la majorité de nos acheteurs pour les percherons, c'est des particuliers. C'est quand même, alors on va dire à 60%. C'est pour le plaisir, pour le plaisir. Et l'utilisation. Pour monter. Et alors souvent pas des très très bons cavaliers. Oui, ou attelés aussi. Ou attelés, oui. Mais alors en ce moment, je te parle juste en ce moment, actuellement notre grosse demande c'est là-dessus,
Par contre, on a aussi des demandes de professionnels qui cherchent donc là du cheval attelé, donc clairement plus du cheval attelé. Et on a aussi des demandes de la part, donc les 40% restants, ça va être oui, donc des professionnels en attelage en ville. Et puis viticulture, beaucoup de demandes en viticulture. Ouais, c'est ça. Et pour débourrer et mettre à la voiture, vous avez votre propre personnel au oui, centre de l'organisation ou vous avez un personnel commun avec ceux des haras, avec la jumenterie ou quoi, c'est du personnel qui est commun avec, on va dire, les services touristiques du Haras du Pin. Donc les agents sont mis à disposition par le département de l'Orne au Haras du Pin. Et ensuite, ils sont sur certaines missions dédiées au tourisme, mais la majeure partie de leur temps est dédiée au centre de valorisation pour le travail et le débourrage des chevaux. D'accord. Voilà. Et l'objectif étant quand même pour nous de viser la rentabilité économique à terme, on voudrait que le centre de valorisation soit autonome financièrement, qu'il puisse, si on arrive à valoriser suffisamment les chevaux, pourquoi pas un jour essayer de ne plus dépendre financièrement, si ça paraît... Que vu le cheptel que vous avez sur place, vous avez combien de personnes, parce que je pense qu'ils sont en boxe, ils sont pas au prêt. Ah si, ils sont au prêt. La majeure partie du temps, ils sont au prêt, ils sont en boxe seulement quand on les travaille. D'accord. Ouais. D'accord. Et combien de personnes travaillent Alors, on a un agent asin qui est spécialisé dans les ânes et qui fait aussi les chevaux, deux personnes sur les chevaux et une apprentie. Et cet outil vous est mis en place, donc je suppose que la demande doit être en croissance. Oui. Par rapport aux chiffres que vous avez donnés. Et le concurrent de cet outil, ce sont les éleveurs privés, je pense, qui dressent eux-mêmes, etc. Oui, ça pourrait. Oui. Enfin, après, on n'est pas sur les mêmes marchés. Alors, et vu la forte demande actuelle, il n'y a plus vraiment de concurrence. Oui. Et est-ce que, comme c'est un outil un peu national et autre, est-ce que vous donnez la priorité aux acheteurs français par rapport aux acheteurs étrangers qu'on reçoit de fonds ou pas ? Pas forcément. Non, pas forcément. Non, de toute façon, on va demander. Alors, on a assez peu, on a même très peu de demandes de la part de la Normandie ou même des régions où le percheron est bien implanté, parce que je pense que justement, les acheteurs vont directement se voir les éleveurs. Par contre, on va avoir plus de demandes au niveau national et international, sans doute du fait du rayonnement Internet, vous voyez. Les ventes, c'est le gré à gré, c'est pas aux enchères. Ah oui, non, les prix sont fixés, voilà. Ouais, les prix sont fixés une fois par an ou deux fois par an, et après, il n'y a pas de négociation. Voilà. L'attribution, c'est comment ? C'est une commission qui est attribuée aux acheteurs ? Ah non, alors les acheteurs, c'est au fur et à mesure, hein. Premier arrivé, premier servi. Ouais. Marché libre. Ouais, c'est ça. Et vous sortez combien de chevaux dressés par an ? L'objectif, c'est d'en sortir une vingtaine. Une vingtaine, 10 percherons, 10 scopes. 10 percherons, 10 scopes. Ouais, ce qui fait 20 chevaux au total. D'accord. Ça, c'est le point. Mais effectivement, je pense que le centre de valorisation du Haras du Pin, c'est une référence pour les étrangers, en tout cas. Vous voyez, ça aussi, ça les rassure. C'est un produit clairement. C'est ça. Ils ont besoin d'être rassurés. Vous dites équilibre financier, ça voudrait dire quoi ? Pour encore la croissance, pour améliorer la croissance encore ? Oui, sans doute de la croissance. Mais alors après, nous, on est pris entre les impératifs touristiques du site du Haras du Pin et les impératifs de dressage de chevaux. Vous voyez, il faut réussir à jongler avec les ressources humaines de ce côté-là. Mais aussi... on achète aussi les chevaux plus jeunes pour... il y a plusieurs avantages, mais il y a un des avantages qui est le fait d'avoir un prix plus bas. Donc du coup, de pouvoir améliorer la plus-value, augmenter la plus-value. Tout en permettant aussi aux éleveurs de se débarrasser, c'est pas le bon terme, mais de limiter les surcharges en pâture avec des chevaux qui peuvent être gardés un an ou deux sans savoir ce qui va advenir après derrière. Et nous, au Haras du Pin, on manque pas de place. C'est aussi un avantage. Est-ce qu'il y a quelques privés qui font la même chose ? Comment ? Est-ce qu'il y a quelques privés qui font la même chose ? Alors, sous cette forme-là, pas exactement. Il y a des privés, oui. Il y a des privés qui font. Il y a des chevaux. Il y a une activité. C'est-à-dire un nombre de chevaux qui sont préparés par des privés. Ben oui, il y a des éleveurs. Ah oui. Ça a toujours été. Il y a des éleveurs qui continuent. Les domaines, hein, dans tous les départements, maintenant on voit des chevaux dressés pour la compétition.
compétition pour, de plus en plus pour la compétition. Ça a eu du mal à démarrer. Et maintenant, c'est bien, bien parti. Mais de plus en plus de privés se mettent à valoriser leurs chevaux. Donc mais c'est qu'un complément, je dirais, là encore, pour répondre, il n'y a pas une réelle concurrence. Même bien souvent, le centre de valorisation n'a pas encore le volume, et c'est pour ça qu'il y a vraiment peut-être, certainement, pas peut-être, une source d'avenir, parce que ça vous arrive encore d'acheter des chevaux, j'allais dire, clés en main à des éleveurs. Donc ce qui prouve, le bon fonctionnement et la bonne entente avec les éleveurs. Parce que si les éleveurs ne vendent pas directement, le centre de valorisation est capable de prendre leurs chevaux et de les vendre à leur perte. Donc voilà, ça se passe très bien à aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est en ça que c'est intéressant que le centre de valorisation soit géré par Tréhaine de Normandie, donc une association qui regroupe les quatre races, donc Percheron comme Normand, Normand et du Cotentin. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est les éleveurs qui décident le prix, qui décident quel type de chevaux on achète, le prix de revente, enfin vous voyez, l'outil est vraiment au service des éleveurs. Alors, est-ce que vous avez aussi une manière de tirer la valeur des chevaux pour l'ensemble? C'est ça, c'est un peu le but. Dans aussi. Le valorisation, il est légèrement au-dessus du marché. C'est un peu l'objectif, c'est d'être légèrement au-dessus du marché, légèrement pour tirer vers le haut. Pour la collecte de déchets, on peut même faire un gain économique en utilisant le cheval comparé au camion, parce que ça va inciter les citoyens à mieux trier, à avoir un geste éco-citoyen, et du coup on va réduire le volume des ordures ménagères, et finalement, économiquement c'est rentable. Et alors, cette rentabilité économique et ces gains environnementaux ne veulent pas dire que le cheval va perdurer, parce que au Mont-Saint-Michel par exemple, récemment, les chevaux économiquement c'était rentable. Il y avait une vraie vitrine, et bien ça a quand même été supprimé. Monsieur Demet, ouais. Oui. Bon. Et alors là, pourquoi? Le cahier des charges n'était pas très net au départ. Non, mais alors, en tout cas, c'était pas très net. C'était compliqué à monter, je crois. Alors, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même cette histoire de technicité, du fait de s'occuper de chevaux, enfin que le cheval est quand même encore quelque chose qui est considéré comme difficile, oui. Et qui fait que c'est un vrai frein. L'appel d'offres n'était pas hypothétique. Mais en tout cas, sur les derniers temps, moi, le retour que j'avais eu, c'est qu'économiquement, ça fonctionnait. Les voitures étaient pleines. Ils avaient réussi à augmenter leur rentabilité économique parce qu'ils avaient supprimé le gros. Est-ce que c'était vraiment orthodoxe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient la rentabilité économique. Ils ont quand même décidé de le supprimer. Donc, en fait, finalement, on associe le travail à la souffrance. C'est ça qui est aussi paradoxal, finalement. Est-ce que travailler, c'est souffrir? Pour un animal, Donc il y a des études quand même qui sont en cours qui disent que les chevaux s'impliquent dans le travail et les animaux de manière générale s'impliquent dans le travail. Donc il y a tout un discours aussi Nous commençons alors. Nous sommes ici à peu près dans les années 1800 avec l'arrivée dans la cour du carousel de la diligence statique des gagnants. Si vous aviez pris ce matin, si vous aviez pris la diligence pour venir ici, évidemment, il aurait fallu partir il y a deux jours, à peu près, et vous seriez autrement plus fatigué que vous l'êtes maintenant. Donc, le percheron de 1800, oui, j'utilise le terme percheron en 1800. Figurez-vous que c'est en 1801 que pour la première fois dans un document officiel apparaît le nom de percheron. Il est qualifié de percheron. Dans les années précédentes, on parlait du cheval dit percheron, pendant quelques décennies, et auparavant encore, c'était le cheval du perche. Donc nous sommes en 1800, et maintenant on parle de cheval percheron, un cheval en fait qui génération après génération garde des critères à peu près similaires, voilà pourquoi on le qualifie de percheron. Le percheron, en 1800, 1820, 1830, était déjà très très connu de par la France, si l'on en croit René Musset, en 1917. Vers 1825, on rencontrait les percherons dans tous les relais de poste de la France du Nord, de l'Ouest et du Centre, jusqu'à Nantes, Tours, Limoges, Carcassonne, Lyon, Roanne, Autun, Dijon, Toul. Le percheron de ces temps-là était fort différent du percheron d'aujourd'hui. Il était beaucoup moins élevé,
et volumineux. Il était vraiment le type du cheval de trait léger. Alors voilà, c'est un cheval très différent. Oh, parce que j'ai du personnel. C'est super. Allez. Voilà par exemple une représentation de Victor Adam. Alors ça fait partie des choses que l'on découvre. C'est grâce à M. Patrice Buget, éleveur de Percheron, très porté sur la tradition, qui est aussi commissaire-priseur. Un jour, il m'a appelé en disant « Tiens, j'ai une petite lithographie, là, ça va t'intéresser. » Et c'était Victoire. Et c'est une lithographie de Victor Adam. Elles sont relativement connues, ces lithographies. Il y en a fait des milliers. Or, il m'a dit « Écoute, je n'ai jamais vu cette lithographie ici de Victoire. » Et donc, c'est bien légendé, Victoire, Percheron. Donc on n'a pas la date exacte, mais on voit que là, l'interprétation de l'artiste, évidemment, on voit qu'on a une... Donc on ne sait pas, il n'y a pas d'information, mais elle est vraiment légendée, cheval, jument, percheron, ici. Donc on voit qu'on était dans des morphologies très différentes. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, mais je viens de publier un livre sur... l'épopée percheron, où justement c'est démontré que le percheron n'a pas toujours été le cheval de travail que l'on connaît un petit peu, c'est-à-dire le cheval de nos grands-pères, etc., mais que c'était un cheval à cette époque-là plutôt d'un mètre 55 et de 600 kg, 650 kg, voire parfois un petit peu moins. Je vais relativement vite ici pour essayer quand même de vous montrer un maximum de choses. Je vais vous ici deux éléments très importants, c'est bonheur. Ce que l'on retient de la race percheron, lorsque l'on parle de manière générale, c'est que le cheval percheron est un cheval qui a été connu de par le monde, et surtout à une certaine époque, en Amérique du Nord, puis Amérique du Sud. Mais au XIXe siècle, le cheval percheron part en très grande quantité vers les États-Unis. En 1910, on est on a 3200 chevaux percherons qui partent de Nogent-le-Rotrou et de la Ferté-Bernard. Mais dans les années 1880 à 1914, ce sont chaque année, en dehors d'une période de 10 ans de crise économique aux États-Unis, des chevaux qui partent par centaines, voire par milliers aux États-Unis. Comment est-ce que ce petit bout de province-là, le Perche, hein, c'est tout petit, comment est-ce que ce Perche minuscule peut comme ça envoyer des chevaux qui partent sur la planète? Il faut se poser quand même certaines questions. Comment est-ce que cela est possible? Je ne vais pas contredire les nombreux écrits qui nous disent que le cheval percheron est un cheval d'une grande docilité, d'une grande force. Voilà, il a des qualités très importantes, c'est indéniable. En particulier, ce qui est intéressant quand on lit les écrits aux États-Unis, au niveau de la récupération, par rapport à la race anglaise, Shire, Clydesdale, il semblerait que le percheron ait des capacités de récupération plus importantes et que d'autre part, il se met au travail plus tôt et il aurait aussi tendance à pouvoir travailler plus tard dans sa vie. Donc voilà principalement les qualités. Mais ces qualités, est-ce qu'elles peuvent expliquer cette étonnante épopée? Il y a deux éléments qui sont absolument très importants pour cette saga percheron. Rosa Bonheur, en 1853, réalise, à partir de ses visites au marché aux chevaux de Paris, réalise ce tableau, le marché aux chevaux. Et le marché aux chevaux arrive en 1857, il arrive aux États-Unis. Et là, c'est un énorme succès. Aux États-Unis, Rosa Bonheur et le marché aux chevaux sont beaucoup plus connus qu'en France. Et le marché aux chevaux est copié sous une multitude de formes, lithographie, gravure, etc. Il est reproduit, et pratiquement dans une grande quantité de fermes, vous avez dans les écuries ou dans les habitations, vous avez une reproduction du tableau de Rosa Bonheur. Et donc, les États-Unis, dès 1860-1870, savent ce qu'est le cheval percheron. Ce cheval extraordinaire, doué de mouvements inconnus des Américains, avec leurs petits chevaux, là, ils sont en admiration devant ce cheval ici. Et autre fait très important,
qui vient ici en complément de ce rôle joué par Rosa Bonheur. Vous voyez cet homme ici au chapeau là-bas avec la moustache. Eh bien, il est à Baltimore, ici, dans les années 1870-1880. Eh bien, cet homme, c'est William Walters. Et il a joué un rôle très important, lui aussi, dans la promotion de la race berchère. Tout simplement parce qu'en 1861, il quitte les États-Unis, c'est l'agitation, la guerre civile, etc. Il a fait fortune aux États-Unis dans le commerce de l'alcool, dans l'expansion des réseaux ferrés. Beaucoup de gens connus aux États-Unis ont fait fortune dans la création des lignes ferroviaires. Et il arrive en France avec femme et enfant en 1861. Et il passe jusqu'à 4 ans ici en France, à Paris principalement, où il rencontre, il était richissime et il avait une passion, les antiquités. Donc il est collectionneur, il achète des tas de choses. Il devient ami de le général Fleury, grand écuyer de Napoléon III. Il rencontre des gens très très intéressants, et en particulier Charles Duhalis. Charles Duhalis, qui est né au Merleau, et qui a écrit en 1866 un livre très, très documenté qui s'appelle « Le cheval percheron ». C'est le premier livre de référence sur la race percheron. Eh bien, Walters, quand il retourne aux États-Unis, il fait traduire le cheval percheron aux États-Unis. On traduit ce livre là-bas, qui va être pendant une vingtaine d'années réédité. Et tous ces gens qui avaient vu ce marché aux chevaux, qui avaient vu ces chevaux, qui savaient que ça venait d'Europe, de France, mais qui ne savaient pas exactement d'où ça venait, eh bien là, avec ce livre, ils voient que cela vient du perche. Et dans les documents, ils ne disaient pas le perche, mais ils disaient la perche. Ils ont féminisé le perche, je ne sais pas comment, ils avaient peut-être un avant sur leur époque. Donc, voilà. Eh bien, aux États-Unis, on sait maintenant que ce cheval arrive du perche. Alors, il faut savoir que Walters a lui-même importé des chevaux. À son retour aux États-Unis, il a importé des chevaux, une vingtaine au total, une trentaine sur une période de 20 ans. Et il avait rencontré Adolphe Simon, qui était le directeur de l'école de dressage de C, qui dépendait de Arabie. Et il a confié ses achats de percherons à Adolphe Simon, qui, lorsqu'il voulait une paire de chevaux, eh bien, c'est Adolphe Simon qui les choisissait et qui les faisait transporter aux États-Unis. C'est pourquoi on le voit ici avec deux chevaux percherons. Donc on est dans la morphologie, on est en 1866 à peu près ici. Quand il est noir, on peut y arriver. Tu m'as dit de venir.
Côté des noirs, ils ont quelques petits poils blancs voilà, autour des yeux. D'accord. Et quand ils sont noirs, ils laissent. Ouais. Donc elle, c'est la championne jeune Normandie 2021. 20. Oh là là. Déjà ? Ouais, c'était au confinement. Je me souviens, c'est l'année du confinement. Donc. Le perche, ça commence. Non, bah si, elles sont pareilles. Ah oui, vermifuge, mais ça, il fait deux fois. Là, on l'a fait Et après seulement on commence à la traire. Et on la traite pendant 6 mois. Donc là, on a commencé le poulinage début mars. On est encore en plein. On est en fin de première séquence là. Mais donc il y a encore beaucoup de juments qui ont des petits qui ont 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et qui ne sont pas encore là. Et après on recommence pour une série de presque 40 poulains. Début juillet jusqu'à mi-octobre. En fait, dans le cas, on a 48 places ici dans le bâtiment. 48 places plus leur poulain, ça fait 96 chevaux à la tâche. Et pour pouvoir faire optimiser donc, les 12 mois, une jument, elle donne pendant 6 mois. Après les 5 semaines, comme vient de le dire Julie, ça veut dire que si on veut optimiser 12 mois avec une lactation de 6 mois, donc presque 2 groupes. Bon, le problème, c'est qu'il faudrait un groupe qui pouline au mois de janvier, un groupe qui pouline au mois de juillet. C'est pas toujours simple en plein hiver. Donc, en fait, on traite schématiquement 10, entre 9 et 10 mois à plein pot. Et puis, on s'octroie 1 ou 2 mois sans. On s'octroie 5 mois sans poulinage. Parce que ça, c'est. On a fait avant toute l'année et on a failli ruiner la santé. Et donc là, on a décidé de faire un groupe du mois de mars au mois de mai, schématiquement, et un groupe du mois de juillet au mois de septembre. Donc il y a un décalage de 3 mois. Et puis ça nous permet de déclasser les juments qui sont un peu fatigués du premier lot. On les met en prairie et au bout de 3-4 mois, on les remet en prairie avec leurs poulains. Et puis on intègre des nouvelles. Et puis au mois de janvier, février, on arrête la traite jusqu'au maintenant. Thank you.
Attends, c'est pas toi qui vas. Non, je vais être très humble devant Julie et Étienne de Cailleux. Merci. Hein, pour la leçon que vous avez faite à tous. Vous avez dit à quoi sert l'académie, on a au moins entendu. On a au moins écouté. C'était très perspicace. Et on a surtout vu que vous étiez, vous, très perspicace. Parce que, bon, d'accord, vous avez choisi le coin. Vous avez choisi le paysage, vous avez choisi le monde du cheval, mais vous avez aussi la race. Ça, vous avez expliqué toutes les races qu'il ne fallait pas faire, qu'on fasse la peau, etc. On a tout essayé en tout cas. Et comme je vous ai dit, vous avez plutôt pris la montagne par le côté le plus dur. Et aujourd'hui, vous avez fait comme un pilote magnifique, ce qui, moi, m'a surpris. Je pense que on est tous à peu près partagés comme surprise de ce que j'ai pu faire avec le lait de jument, même si on avait quelques idées sur le lait de jument. Hein, mais franchement, félicitations et je crois qu'on n'oubliera pas votre leçon. C'est pour ça que je dis qu'on restera humble devant vous, devant votre expérience. Et croyez-nous, on s'en souviendra. Et on vous souhaite surtout que votre projet d'essaimer, hein, de faire que d'autres vous rejoignent, hein, que vous ayez aussi vos appuis, notamment industriels, comme vous le disiez, hein, même si vous avez déjà un centre de grands appuis. Et bien, écoutez, nous, on se fera l'écho de cette visite. Je compte sur un bon article de notre confrère qui sait bien écrire pour que dans le mensuel de l'Académie, on ait un écho. Hein, de lait de jument, que vraiment on a appris. Merci, félicitations et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Merci.